Bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne Professeur S. Donc aujourd'hui on va faire le chapitre 3 à électricité. Le transformateur. Donc chapitre 3 à comme les transformateur. Nous avons quelques exercices là. On va entamer deux exercices maintenant ou là. Parce que c'est les mêmes lois les taoudou à chaque fois. C'est les mêmes lois les tibdou minhom koulèche. Donc, on va voir l'exo 1 déjà tout d'abord. Avec un transformateur monophasé, 5220 volts. Maintenant, les résultats suivants. On a U1, U2, 0. On a le U2, fil vide. On a le I1, fil vide. Donc, I1, 0. On a le PF, P fer, perte de fer, est égal aussi à P1, 0. On a les pertes de joules, ou on a I2, ou on a aussi cosinus phi 1. Et donc ça c'est le facteur de puissance, c'est le courant, c'est effet joule, la perte de joule, la perte de fer, aussi c'est le courant phi primaire à vide. Et voilà, ça c'est la tension secondaire à vide, ça c'est la tension primaire. Alors, que représente 5000 ou que représente 220? Donc, hadaf le primaire, hadaf secondaire. On est bien d'accord, hadaf tawattor. Attention, le primaire, attention, secondaire. Première question, de quel type de transformateur s'agit-il? Après, calculer le rapport de transformation. Après, troisième question, calculer le rendement du transformateur. On va voir. Et c'est vraiment trop facile à l'exercice. Les exercices gâtent à transformateur, parce que vous avez vraiment quelques lois. Alors, type de transformateur, roi transfo réducteur ou l'un ou l'autre abaisseur ou alèche. Parce que quand on a 5000 ou là on a 220, quand tu as 5000 ou là tu as 220, ou je m'attends, du coup le transformateur là où on a, puisque on a, donc c'est un transformateur, c'est un transformateur réducteur ou là abaisseur, l'essentiel ah oui. Pour la deuxième question, on va calculer le rapport de transformateur. Alors nous avons head la loi. Parce que BH est égale donc M est égal à N2 sur N1, qui est égal aussi à U2 0 sur U1, qui est égal aussi à I1 pardon, sur I2. Donc vous voyez là que N comme 2, N comme 2, mais là on a le courant, là N comme le fourani 1. Donc là 1 ou le tahta, tel I2, phi I pardon. Qui nous déroute le courant, on a I2 mais le tête. Du coup, c'est le compteur de un juste que tu fais aller. Donc, on a N2 sur N1 qui est égal à U2 sur I1 qui est égal à I1 sur I2. Où je vois le rapport de transfert, c'est le M. Alors, on a été égal à N. شوفوا نتوما العفسه الاولى اللي ديروها شوفوا واش عندكم عطاو لنا ديجا بون اسكو عطاو لكم الان 2 اسكو عطاو لكم الان 1 ديكو هادي ما تخدموش بها اسكو عطاو لكم الاي 1 والاي 2 اون فوا ما عطاوناش اف عطاونا الاي 10 عطاونا الاي 2 ما عطاو لكم الاي 2. On va t'avoir comme le U1. Du coup, de préférence, nous allons faire le bien. Mais il y a un qui m'a. Et donc, on va faire l'exercice que t'as t'avoir comme le U1 ou le U20. Donc, à deux lignes, c'est quoi surtout. Après, t'as avec le I10 ou le I2. Donc, c'est pas la même chose. On a le I1 ou le I2. Donc c'est pas la même chose. Donc tu vois tout ma vraiment un truc de canon qui m'a là haut
وتشوفوا فريمون واش عطاو لكم واش كاين. اي دونك قلنا بلي عطاو لنا الاي 20 وعطاو لنا الاي 1. الاي 20 اللي هي 220 والاي 1 5000. فو كالكولي الام اي فو تروفي هادي. الو بور لو روندمون دو ترانسفو، الو لو روندمون لوي ميم est égal à U2, pardon, P2 sur P1, et donc P2, sachant que P1 est égal à P2 plus PF plus PJ. Donc voilà. Voilà que je voulais comme la loi t'accorde. Donc le rendement ou P2 sur P1, qui est égal à aussi P2 fois 4 P2, LP1, on le remplace par P2 plus PF. Plus PJ. Ahafdo les lois, s'il vous plaît. Alors, on n'a pas de P1. Et on n'a pas de P2, normalement. Je vous m'attends chez le P1, m'attends chez le P2. Donc, mais qu'est-ce qu'il fait son calcul? Attends le PF. M'attends le PJ. Adou, Kainin. Alors, voilà comment calculer, je vous. Donc le P1, les rois, U1 fois I1 fois cosinus phi 1. Le I1 m'a dit, j'ai dit I10, m'a dit I1. Alors, nous avons le canon de tel M. Donc je vais le I1 taille. Donc je vais faire, pour trouver le I1, les rois M fois I2. Donc le M, nous avons tout à l'heure. L'I2 la tahouna déjà. Et vous allez trouver le résultat. Après, deux cas, c'est bon, on dit que l'I1, on dit l'I1. Et on dit aussi le cosinus phi 1, le cali ou le cosinus phi 1 est égal à 1. Donc, il est égal à 1. Donc, on va dire que 5000 fois. I1 تاعي donc fois هذا et on trouve هذا le résultat في P1. Donc maintenant le P1 عندي, on doit le trouver P2 et bien sûr نجبدو من هذا القانون اللي هنا ماشي هذا complet. Je dis ça, قلت لكم واش قلت لكم P1 est égal à P2 plus PF plus P et perte en joule PJ. Donc هاوليك. Et maintenant, on va le P2 taille. Vous savez, le P2 est égal à P1 moins PF qui nous dit le PF maintenant, moins PJ qui nous dit PJ maintenant. On aura le P2. Après, vous remplacez le canon. Vous remplacez le P2, vous remplacez Coulish. Placez le P2 comme là et vous allez trouver le rendement comme un résultat. Voilà, c'était l'exercice 1. Non, je vous fais l'exercice 3. Donc, sinon, les autres, c'est la même chose. Hadouma les ferons vraiment kawanin les traverons pour devant. Très bien, cool. Alors, un transformateur monophasé possède les caractéristiques. Nominale suivante. Attends, on a le S2, PJ, PF, PFR. Première question, calculer le rendement du transformateur quand la charge est résistive. Vous mettez la charge résistive, maintenant le cosinus phi hadek est égal à 1. Alors, on est d'accord. Donc, je vais aller calculer le rendement transformateur. Et voilà. Alors, première question. On a le rendement. On a qui a la charge résistive. Maintenant, le cosinus fait avec le zawiya hadik. Que ce soit dès qu'on a chauffé le phi 1 ou le phi 2, donc fait que Xavier Hadik est égal à 1.
Alors, un rendement est égal à P1. Est égal à P2, pardon, sur P1. On a P2, P2, où le P1 est égal à P2 plus PJ plus PF. Donc, attends, PJ, va t'amener le PF. M'attends, P2. P2 qui m'a tout à l'heure. Qui m'a le P1, pardon. Il y a U2 fois I2 fois cosinus phi 2. Comme cosinus phi 2 là, est égal à 1, parce que par la charge résistive, du coup, on déroule U2 fois I2 back. Donc U2 fois I2 fera place de P2. Et la place de P2, tenine, on remplace U2 fois I2. Le PJ PF qui m'a rahi, parce que t'en remènes déjà. Et donc, voilà, je vais t'attendre quand vous remplacez le résultat de ça. Et le rendement est comme 96,8%. Pour la deuxième question, je crois que là, t'as eu comme voilà, t'as eu comme le cosinus phi hadik. Alors, même question dans le cas d'une charge inductive de facteur de puissance. Facteur de puissance, prenons le cosinus phi. 0,82. Vous allez faire la même chose. Au lieu de faire le cosinus phi comme 1, je ne dérange même pas le canon. Là, c'est le cosinus phi de ta comme les rois. Je prends 0,82. Voilà. Donc, vous remplacez 0,82 là, 0,82 là. Et vous allez trouver 96,2%. C'était les deux exercices. Les menhommes de Jibdo Koulish. Je n'ai fait un kawanin. Pardon, les menhommes de Jibdo Koulish. Un truc comme tel M. Par exemple, il y a des règles qui ont été ou chenoul N2. Du coup, on a parlé déjà N1. Et du coup, vous allez trouver Hadi fois Hadi. Ou là, pour trouver le N2, Hadi fois Hadi sur Hadi. Donc, vous allez trouver N2. من هذا ديجا تجبدوا بزاف فايس دونك تنجبد الان دو الان ان او دو لازم عندكم القانون هذا فو يتحفظ فو تحفظوا بلي البي ان اي تيغالا سا اوسي فو تحفظوا البي ان اوسي اي تيغالا سا والبي دو اي تيغال ا سا برك بال دو 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 فيهم او دو اي دو كوسينوس في دو تاع البي دو هذا ما كان هذا واش كاين. Bien sûr qu'il y a la charge résistive, mais un tel cosinus phi 1 tac, la phi 2 tac, est égal à 1. C'est tout, c'était le chapitre de transformateur. La prochaine vidéo, Inch'Allah, nous chauffons un autre chapitre. C'est le dernier chapitre, Inch'Allah.